Bienvenue chez vous. Welcome home. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue aujourd'hui dans ma journée de cérémonie. Vous l'avez vu dans le titre, on est le 5 septembre. Il est le matin, il est tôt. Ma cérémonie est à 13h, donc là j'amène mon petit garçon à la garderie. Et après, ben, je vais me préparer, puis je vais vous emmener avec moi. Je vais essayer de filmer le plus de choses possible. Donc, j'ai été appelée à passer ma cérémonie le 20 août 2019. Et mon anniversaire, c'était 2 jours après. Donc, c'était vraiment un magnifique cadeau d'anniversaire. Inespéré, parce que c'était quand même assez rapide. Et là, je m'en vais cet après-midi porter serment pour recevoir ma citoyenneté. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai besoin d'apporter comme papier. Qu'est-ce qu'il faut à peu près préparer vite, puis comment on doit se présenter et tout ça. Donc, je vous amène avec moi et ben voilà, restez là. Et je vous montrerai vite fait ce que je vais mettre à ma cérémonie, mais déjà, j'ai trouvé comme un pantalon noir vraiment mou comme ça et un chandail comme ça. Alors ça, c'est un... j'ai pas du tout de kaki, c'est juste... comme plus pour... je mets ça parce que j'ai travaillé presque 8 ans dans le linge. Donc on fait toujours ça les vendeuses. Et pour ma cérémonie, je me suis acheté une chemise. Elle est un petit peu large, mais la médium, elle est pas du tout... bon là, elle est ouverte, là, mais c'est une chemise un petit peu avec un col moine. Là. J'achète du linge une fois tous les 2 ans, pour vrai. Et le pantalon, j'ai pris aussi un kaki. Donc c'est un jean skinny. Voilà, donc ben pas kaki, ben c'est comme vert. Donc ça va être la chemise et le pantalon. Et là je vais vous faire un petit spoiler, tous ceux qui verront pas la vidéo tant pis pour eux, mais c'est parce que avec ma citoyenneté, ben, j'ai le projet de m'enrôler dans les forces armées canadiennes. Donc voilà, y a rien d'officiel, fait que c'est pour ça que je ne mettrai pas en titre. Seulement ceux qui se rendent jusque là dans la vidéo vont le voir, puis j'ai comme 20-30 personnes qui regardent mes vidéos et mes proches, donc ça va pas faire le tour du monde en 2 secondes, parce que je me garde toujours une réserve, je suis pas encore enrôlée, je suis en processus, ça va se concrétiser avec ma citoyenneté. Et pourquoi j'ai acheté du linge civil mais kaki puis noir pour faire référence un petit peu au ils appellent ça le combat là, mais c'est l'uniforme des forces quand on travaille dans les unités, dans les bureaux et tout ça. Donc si jamais je suis enrôlée dans les prochains mois, au moins je vais avoir du linge civil un petit peu kaki qui va ressembler un petit peu aux uniformes de combat de mes collègues. Donc s'il y a des photos officielles ou si je vais devoir suivre des trucs puis qu'ils prennent en photo, je vais moins avoir l'air d'un petit poussin dans une dans un champ de coquelicots. Donc voilà pour cette journée qui va bon train. Il est 10h40. Je suis un petit peu stressée, mais c'est pas grave. C'est vraiment du stress de... est-ce que je vais trouver du stationnement? Est-ce que je vais arriver à l'heure? Il faut pas que ma voiture tombe en panne. Fait que là, je vais avoir un ticket de bus dans mes affaires. Je pense que oui. Au cas où, sinon je prends un taxi. Écoute, on s'en fout. Hein? Mais je dirais que le stress est assez bas et contrôlable. Et je suis vraiment super excitée parce qu'à la fin de ma cérémonie, ben, je revois mes parents que j'ai pas vus depuis des mois. Et on va pouvoir juste comme... relaxer puis profiter du moment présent. Alors évidemment je vais m'aplatir les cheveux. Je sais que ça peut être joli frisé, mais j'ai plus de contrôle sur mon apparence quand mes cheveux sont plats. Et là j'ai un problème, c'est que j'ai juste du mascara. Ben j'ai acheté c'est comme vegan, pas testé sur les animaux. J'ai juste du mascara qui est non waterproof. Ça me maquille 2 fois par année, fait que quand je suis maquillée, je le sais pas. Fait que je me frotte les yeux, parce que je me frotte les yeux tout le temps dans la vie. J'ai peur pour une affaire, c'est me frotter les yeux. La deuxième chose, c'est que, évidemment, je vais pleurer. Alors, ils nous demandent d'être habillés vraiment comme classe, appropriée. C'est une cérémonie. Surtout, très important, on n'a pas le droit de porter de parfum. Merci, parce que on est dans une salle, on est 50 dans une salle fermée pendant 3 heures. Fait que si le monde commence à se parfumer, là, tout le monde va tomber dans les pommes. Donc, ils ont vraiment demandé pas d'autre colonne, pas d'autre toilette, pas de parfum pour pas incommoder les autres puis le personnel. Ok, on se reparle plus tard. J'ai oublié de vous dire que je vais y aller toute seule. Est-ce que je vous l'ai dit? Je ne l'ai pas dit. Je vais y aller toute seule parce que mon copain il travaille et puis on est restreint sur le nombre de visiteurs, c'est 1 ou 2.
si la salle est trop pleine, ils font attendre les visiteurs à l'extérieur. C'est pour ça que je veux pas faire venir des gens de loin, tu sais, comme mes beaux-parents ou mes amis qui se taperaient tout le trafic pour peut-être pas être dans l'assemblée. Fait que je vais vivre ça toute seule. Mais je pense que c'est le fun parce que de toute manière, je filme. Puis en plus de ça, je vais pouvoir vraiment focusser sur le moment et prendre ça comme un moment pour moi, comme un beau cadeau. Je continue, là je vais vous montrer les choses que l'on doit apporter. Aussi, je vais re-regarder la vidéo qu'ils nous ont demandé de regarder. Je vais vous montrer un petit bout, c'est le gouvernement du Canada qui a fait une vidéo pour se préparer à la cérémonie. Donc, ils font juste rappeler qu'est-ce qui est écrit, mais ils disent. Et je suis toute seule, fait que j'espère que je vais pouvoir de un filmer, puis de deux avoir ma photo avec la juge de l'immigration, là, celle qui nous donne notre citoyenneté. Ben à la fin on peut prendre une photo avec elle. Fait que j'espère que quelqu'un va pouvoir me prendre en photo, sinon ben tant pis. Mais que je vous montre ça. Donc il faut deux pièces d'identité valides. Ils nous demandent aussi d'apporter notre permis de conduire. Non, ben, la carte résident permanent. Ils nous demandent d'apporter tous nos passeports. Donc moi j'ai un passeport qui est ici, qui est coupé. Et mon nouveau passeport français, mais je vais en avoir bientôt un canadien. Ensuite, ils nous demandent d'apporter la convocation, un formulaire à remplir sur la sécurité, comme quoi on n'a rien fait de mal. Et aussi tous les papiers qui ont servi à faire notre demande de citoyenneté. Donc je vais aller vérifier. Important pour celles et ceux qui regardent ma vidéo, qui ne me connaissent pas, qui la regardent parce que justement ils sont tombés par hasard sur ça, il faut retrouver le papier IMM 5688 ou 5292 ou IMM 1000 sur la résidence permanente. Donc très important d'apporter ce papier. Moi je me suis fait un petit peu avoir parce que je pensais qu'il fallait juste apporter la carte, et c'est un ami qui a reçu sa citoyenneté il n'y a pas longtemps. D'ailleurs je te salue, tu sais qui tu es, tu l'as reçu il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, qui m'a dit de bien prendre ce papier. C'est le papier qu'on reçoit le jour où on reçoit notre résidence permanente. Donc faites attention à ça. Moi c'est le IMM 5688 que j'ai dû rechercher dans les fonds des tiroirs. Fait que je l'ai avec moi, l'original ici. J'ai mon diplôme de baccalauréat, j'ai mon acte de naissance de la France, c'est ça, j'ai mes cartes. Donc là j'ai mon ancien permis de conduire, mes deux passeports, ma carte de résident permanente, puis dans mon portefeuille j'ai permis de conduire valide, carte de RMQ valide, ma carte étudiant au cas où. Là. Puis aussi, je vais vous montrer. Voilà ce qu'ils nous demandent de pratiquer avant. Donc, il va être bilingue. Il va y avoir une partie en français, une partie en anglais. Moi, je vais dire les deux parce qu'à l'entrée, ils vont nous donner un papier où il y aura l'hymne national dans les deux langues et le serment de citoyenneté. Donc là, le serment de citoyenneté, je jure, j'affirme que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien ou de citoyenne canadienne. Hein? Et puis souvent, quand je le pratique puis que j'arrive au dernier mot, j'ai envie de brailler. Ici, un livre saint de votre choix, si vous souhaitez prêter serment sur ce livre. Donc, il parle évidemment de la Bible, du Coran, la Torah, peu importe votre livre propre à votre religion. Ça, il vous propose d'apporter votre livre saint. Voilà, là, il faut que je me prépare. À plus tard. Et voilà le résultat. Voilà ma blouse et mes pantalons verts. J'ai des petites ballerines grises qui sont vraiment pas propres. Mais regarde. C'est ça qui est ça. Mais qu'on y va! J'ai tous mes documents, j'ai pas mangé, j'ai pas faim. Je vais prendre une banane dans mon sac. Ça va être ça. Bouteille d'eau, patronne, banane. Puis on y va, c'est parti! Allô vlog, je suis arrivée là où je dois arriver, donc c'est sur la rive sud, c'est dans une école secondaire, oui je pense, oui une école privée secondaire.
Je viens de trouver un stationnement gratuit au bord d'un parc. En tout cas, j'espère que je suis à la bonne place. Je suis une demi-heure d'avance, fait que je vais marcher tout de suite parce que si je me suis trompée, ben c'est la catastrophe là. C'est dans 45 minutes. J'ai écouté ma musique préférée dans l'auto, ce qui m'avait envie de pas trop stresser, mais je suis pas très très stressée, j'ai juste envie pipi, mais ça, je suis habituée. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça dure 3 heures, ça commence à 1 heure, ça finit à 4 heures. Je pense qu'à 1 heure, ils ouvrent les portes, puis ce qui est très long, c'est de faire rentrer les gens. En général, c'est une cinquantaine de personnes, donc on va croiser les doigts pour que tout se déroule dans la fluidité la plus totale. Puis moi, je vais essayer de prendre mon mal en patience. Fait que je vais essayer de filmer. J'espère que je vais demander à l'entrée si j'ai le droit de filmer pendant la cérémonie alors que je suis en train, moi, de vivre la cérémonie. On va voir. Fait que à plus tard. Please allow me to introduce our guests of honor. Juge de la citoyenneté, citizenship judge, nous l'accueillons ensemble. It's important to take a moment to acknowledge that this citizenship ceremony is taking place on the traditional territory of a number of Indigenous nations that have called the region of Montreal their home and include the Huron-Wendat, as well as the Mohawk communities of Kanisitake and Kanawake. Le Canada d'aujourd'hui est dédié à reconnaître les erreurs de son passé et à bâtir une nouvelle relation avec ses Premières Nations basée sur le respect et la réciprocité. Aujourd'hui, en devenant citoyen, vous amorcez un nouveau départ, en quelque sorte, en prenant le dernier pas sur le chemin qui vous a amené à choisir le Canada. Voilà qui termine la prestation du serment de citoyenneté. C'est toujours un privilège de vous adresser la parole dans les premières secondes de votre nouvelle identité en tant que pleinement citoyen canadien. Et j'aimerais que cette très brève conversation de clôture touche sur l'idée du partage. Cet après-midi, vous êtes arrivé ici des inconnus, mais vous allez repartir unis par l'expérience d'être tous devenus au même moment, Canadiens ensemble. Welcome to the great Canadian family, mais surtout, bienvenue chez vous, welcome home. And please all rise for our national anthem. Je voudrais inviter les enfants qui voudraient chanter ici en avance.
Salut tout le monde, je suis fièrement canadienne, ça y est, je suis citoyenne du pays où je vis, je suis double nationalité, ça fait du bien. Où j'ai filmé le National Anthem, c'était très très émouvant comme cérémonie, c'était vraiment vraiment très touchant et j'ai presque pas pleuré. J'ai eu des petites larmes. Ben, pendant l'hymne national et pendant l'allégeance, j'ai eu de la misère à parler. Des fois, ma voix, elle s'arrête quand je suis trop émotive, mais ça m'arrive souvent. c'est ça. Ils nous ont même invités à faire un câlin ou à serrer la main de notre voisin. Les personnes qui sont autour de nous étaient citoyennes en même temps que nous. Il y avait plein de familles. C'était vraiment très touchant. On était 48 nationalités différentes. Je conclue cette vidéo là-dessus. Peut-être je vais vous laisser des images à la fin. L'aventure commence, finit. L'aventure du migrant, d'immigration finit aujourd'hui après 10 ans, presque jour pour jour. Et une nouvelle aventure commence. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et prenez soin de vous.